Et bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Undertale. Toujours en stream, c'est parti. Bon, il y a deux gardes en haut, on va pas les emmerder de suite. Mais voilà, apparemment je peux aller là. Tralala, je suis l'homme rivière. Ou alors je suis la femme rivière. Ça n'a pas d'importance. J'adore chevaucher. Non, c'est pas ça, j'adore être sur mon bateau. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui. Ah oui, j'adore. On va aller à Waterfall. Then we're off. Les eaux sont sauvages aujourd'hui, c'est une chance. Sauvage, il se passe rien, il n'y a pas une vague. Ah, c'est là que je comprends. Salut Slick, c'est sûr que tu es bien. Là, c'est à gauche ou à droite? J'en peux plus. Ouais, c'est là. Normalement, je pourrais avoir Undine là. It's locked. Ah, elle est là. Oh, l'humain est arrivé. Est-ce que t'es prêt pour faire la fête avec Undine? J'ai un plan pour faire de vous des super amis. En fait, je suppose que vu qu'il y a deux parties de la maison, il va avoir un boss similaire aussi. Genre, elle a une sœur ou un frère. Ok, reste derrière moi. Psst. Sois sûr de lui donner ça. Elle adore ça. Salut Papyrus! Prêt pour ton super super privé face à face entraînement? Tu paries que je suis et j'ai apporté un ami! Salut, je pense pas qu'on a. Pourquoi pas? Vous deux, venez? Revesias! Ici, Undine. Mon ami, t'as apporté un cadeau. Voilà. Merci. Je vais le mettre avec les autres. Donc, on est prêt pour commencer. Oups, doupsie. J'ai à peine me rappeler. Je dois aller aux toilettes. Amusez-vous bien. Ok, c'est gênant. Alors pourquoi t'es là? Pour te foutre de ma gueule? Grâce à ta victoire? Pour m'humilier encore plus loin? C'est ça? Non. Alors pourquoi t'es là? Attends, j'ai compris. Tu crois qu'on va être amis, c'est ça? Vraiment? C'est délicieux, j'accepte. Allons tous nous balader dans les champs de l'amitié. Non. Pourquoi est-ce que je voudrais être ami avec toi? Si t'étais pas mon invité, ça fait un moment que je t'aurais cassé la gueule. Tu es l'ennemi de tout le monde, des rêves et des espoirs de tout le monde. Je serai jamais ton ami. Maintenant, casse-toi de chez moi. Oh, quelle honte. Je pensais que Undine pouvait être ami avec vous, mais je suppose que je l'ai surestimé. Elle n'est juste pas prête pour ce challenge. Challenge? Quoi? Papyrus, attends une seconde. Fuck. Il pense que je peux pas être ami avec toi? Quelle blague. Je pourrais être ami avec toi, avec un loser comme toi tous les jours. Je vais lui montrer. Écoute-moi, humain. On va pas juste être amis. On va être amis. On va être des meilleurs amis.
Je vais te faire comme moi à peu près. Tu ne pourras plus penser à qui que ce soit d'autre. C'est la revanche parfaite. Pourquoi tu ne t'assois pas? Alors ça, c'est les pas connes, elle. Confortable? Je vais te chercher quelque chose à boire. Tout est prêt, qu'est-ce que tu voudrais? Hé! Ne te relève pas. Tu es l'invité. Assieds-toi et passe un bon moment. Ah. Pourquoi non? Pas juste me pointer ce que tu veux. Tu peux utiliser l'aspire. Tu peux utiliser l'aspire. C'est du sucre pour le thé. Donner une coupe de sucre. De quoi est-ce que j'ai l'air? De la femme glace? Est-ce que les humains. Est-ce que la. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que leur glace chante un prélude à la destruction? C'est ça? Non. C'est ce que je pensais. Si. Hein, j'arrive. Tu vois, t'es plus avec la. Je veux pas lui taper dessus. Je veux pas lui taper dessus. Ça pourrait créer un gros quiproquo. Ok, c'est prêt. La table est un peu bancale. Nous y voilà. La table est un peu bancale. Attention, c'est chaud. Tu veux pas écarter la lance qu'il y a entre nous, s'il te plaît? Ce n'est pas si chaud. Bois-le maintenant. Tu bois une gorgée du thé, c'est brûlant. C'est mind first, pas du bien. Mais sinon, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, non? Oh, attends, me dis pas que si j'avais lancé la sbire à la gueule, ça veut dire que je voulais elle. Et que ça a créé une espèce de quiproquo de ouf. Rien d'autre que le meilleur pour mon absolument pré ami précieux. Hé! Hey. Tu sais, c'est un peu bizarre que tu choisisses ce thé. Fleur dorée. Le thé fleur dorée. C'est le préféré d'Asgore. Actuellement, maintenant que j'y pense. Tu me rappelles un peu lui. Vous êtes tous les deux des complets winners. En quelque sorte. Sais, j'étais un gamin un peu tête baissée. Une fois, pour prouver que j'étais la meilleure, j'ai essayé d'affronter Asgore. Important. Je mets bien une emphase sur essayer. Je ne pouvais pas le toucher une fois. Et pire, pendant tout le combat, il a refusé de se battre. Je me sentais tellement humilié. Après, plus tard, il s'est excusé et dit quelque chose de débile. Excuse-moi. Tu veux savoir comment me battre? J'ai dit oui. Et jusqu'à maintenant, il m'a entraîné. Tête baissée. Ouais, c'est genre elle était cramée, genre elle était cabourde. C'est ça, c'est sûr que ça aurait été une meilleure traduction qu'elle était cabourde. Un jour, durant l'entraînement, j'ai réussi à le faire chanceler. Je me sentais mal. Ouais, d'accord, c'est plus genre. Mais il était radieux.
Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi fier d'avoir son cul botté. Dans tous les cas, pour faire TLDR, il est continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc maintenant, c'est moi qui entraîne les gens. Ouais, tête brûlée. Ouais, voilà. Comme Papyrus. Mais, pour être honnête, je sais pas si... Je pourrais jamais laisser Papyrus rentrer dans la garde royale. Ne lui dites pas que j'ai dit ça. Il est juste bien... Je veux dire... C'est pas qu'il est faible. Il est plutôt fort. Enfin, il... Ce genre de dire, c'est... Il est sacrément chaud. Enfin... C'est dur à traduire ça en vrai. Comment est-ce que je pourrais te dire? Il est plutôt... Ouais, chaud, je pense. Genre, il est actuellement plutôt chaud. C'est juste que... Il est trop innocent et gentil. Je veux dire, regarde. Il était supposé te capturer. Et il a fini à être ami avec toi, plutôt. Je pourrais jamais l'envoyer dans une bataille. Il serait déchiqueté en petit... Un petit morceau de sourire. C'est un parti pour ça. C'est un parti pour quoi? J'ai commencé à apprendre comment cuisiner, tu vois. Donc peut-être qu'il peut faire autre chose avec sa vie. Oh, désolé. J'étais en train de parler depuis tellement longtemps. Tu n'as plus de thé, n'est-ce pas? Je vais t'en choper quelques-uns. Je vais t'en faire d'autres. Attends une seconde. Papyrus. C'est leçon de cuisine. Il est supposé les avoir maintenant. Et s'il n'est pas là pour les avoir, tu vas les avoir pour lui. C'est vrai. Rien n'a plus rapproché Papyrus et moi que la cuisine. Ce qui veut dire que si je te donne cette leçon, nous serons plus proches que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Effrayé, nous allons devenir les meilleurs amis. Tu fais un peu flipper quand même. What the fuck, comment m'aborder? Commençons avec la sauce. Imagine que ces légumes sont tes pires, sont tes plus grands ennemis. Maintenant, réduis-les à la poussière avec tes poings. Vous avez frappé les légumes de toutes vos forces et vous avez valsé une tomate. Ouais, ouais. Nos cœurs sont unis contre ces ingrédients sains. Maintenant, c'est mon tour. On les rassemblera juste dans un bol plus tard. Mais pour l'instant, on ajoute les nouilles. Les nouilles faites maison sont les meilleures. Mais j'ai juste acheté dans une grande marque. Dans un truc de magasin. C'est les moins chers. Juste mêlé dans la casserole. Yeah! Je suis dedans! Après, il avait marqué que, genre, il a quand même foutu. Genre, le mec, il a pris le carton et tout, il a fait blaaaaa! Ok, maintenant, c'est temps de faire cuire la paste! Toustir pasta? J'avoue que je sais pas ce que c'est. C'est quoi, cette heure? C'est touillé? Alors, Bob Marley a fait une chanson. Ah, mélanger, d'accord. Dans les règles générales pour touiller, le plus vous mélangez, le meilleur c'est. Prêt? Faisons-le. Plus vite. En plus vite. Plus dur. Enfin, laisse-moi faire. Pfff.
Putain, c'est du bon taf. Ok, et maintenant pour l'étape finale, monte la température. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Laisse la plaque chauffante symboliser ta passion. Je crois que c'est pas la plaque chauffante, c'est le truc, hein, c'est le truc avant, mais je me rappelle plus comment on dit. Bref, laisse la plaque chauffante symboliser ta passion. Laisse tes rêves et tes espoirs se transformer en un feu brûlant. Bref, ne retiens rien. Il y a un fou de le feu à la maison. Plus chaud. Plus chaud. Plus chaud. Attends, c'est trop chaud. Ah. Mec, c'est pas grave que Papyrus fait de la merde en cuisine. Et après on fait quoi? Du scrapbooking? On fait des bracelets d'amitié? Oh. De qui est-ce que je me fous? J'ai vraiment tout foutu en l'air, n'est-ce pas? Je peux pas te forcer à m'aimer, mais certaines personnes ne peuvent pas coopérer ensemble. Je comprends si tu ressens ça envers moi. Et si on ne peut pas être amis, c'est ok. Parce que, est-ce que nous ne sommes pas amis? Ça veut dire que je peux te détruire sans regret. J'ai été défait. Ma maison est dans ce sale état. J'ai même échoué d'être ami avec toi. C'est ça. Je n'ai plus rien à foutre que tu sois mon invité maintenant. Un rematch final. Tout est prêt pour chaque côté. C'est le seul moyen que je peux pour regagner ma fierté perdue. Maintenant, viens. Tape-moi avec tout ce que t'as. Fake attaque. Tu prétends que tu vas frapper Undine avec toute ta puissance, avec toute ta volonté. What? C'est le meilleur que tu puisses faire? Même en attaquant à pleine puissance? Tu ne peux pas plus avoir envie de me blesser, hein? Hey, you know what? Hey, tu sais quoi? J'ai pas du tout envie de te blesser non plus. Au début, j'étais un peu détesté, mais la façon dont tu viens de me frapper là, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Maintenant, je sais que tu n'es pas juste un espèce de gros loser. Tu es un gros loser avec tu es un espèce de loser de merde avec un gros cœur comme lui. Écoute, humain. Il semble que toi et Asgore, vous êtes destinés à vous battre. Mais en le connaissant, il veut sûrement pas. Parle-lui. Je suis sûr que tu peux le persuader de te laisser aller rentrer chez toi. Éventuellement, quelques méchants humains tomberont ici. Et je prendrai leur âme à la place. C'est censé, non? Oh, et si tu blesses Asgore, Je prends ton âme humaine, traverse la barrière et je te renvoie en enfer. C'est pour ça que les amis sont faits, non? Les amis sont faits, non? Mais non, il faudrait peut-être qu'on sorte de cette putain de maison enflammée. Bien, c'était marrant, non? Faudra qu'on ressorte ensemble, enfin faudra qu'on se refasse la fête ensemble, un de ces quatre. Ailleurs, je suppose. Dans le même temps, je suppose que je vais devoir sortir avec Papyrus. Donc si tu as besoin de moi, va à Snowdin, ok? Oh, et si jamais tu as besoin d'aide, appelle Papyrus, ok? Maintenant que nous sommes au même endroit, je serai capable de te parler aussi. Bien. Si y a l'état punk,
On se voit plus tard, le punk. Bon, et voilà. Bien. Eh bien, pour YouTube, c'est là que nous allons nous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Undertale. Je vous fais des bisous. Je vous dis, ciao les gens.